tout le monde. Donc, sauf si ma mémoire me fait défaut, mais je crois qu'on s'est arrêté là la semaine dernière, c'est-à-dire sur les passages par référence, hein, la sémantique des passages par référence en C++, et notamment, le symptôme était visible à travers... on avait illustré le mécanisme à travers un symptôme qui était dû au constructeur, au message d'affichage via les constructeurs. Et que donc j'avais indiqué qu'il y avait aussi l'existence d'un constructeur particulier pour les classes C++, qui est le constructeur par copie. C'est-à-dire la nécessité parfois d'obtenir le clonage d'un objet. Alors on n'a pas ce souci-là en Java, bien sûr, puisque en Java, de toute façon, tout se passe via des références. Donc je fais bien la distinction, attention que ce n'est pas un passage par référence, un passage via des références en Java. Mais voilà, ici en C++, on a cette fois deux types de passages de paramètres, par valeur ou par copie, ce qui est exactement la même chose, je ne vais pas distinguer ces deux cas. Et puis le passage par référence, qui lui donc évite effectivement la copie, on passe effectivement l'objet d'origine, ou la variable d'origine, si j'ose dire, sachant que la variable, ici c'est évidemment la zone de stockage via justement ce qu'on appelle une référence, un identificateur. Alors je m'étais arrêté en disant en fait qu'on a la même chose, évidemment il faut prendre la même précaution. Si vous regardez les retours de fonctions, aussi, hein, la sémantique de retour de fonction, il ne faut pas l'oublier. En C++, comme en C, elle se fait par valeur. Donc quand je dis ici que je retourne un loop, eh bien puisqu'il n'y a rien de particulier dans la syntaxe, hein, ce que je renvoie, c'est la valeur d'un loop. Donc je renvoie un nouveau loop. Et bien sûr, la question, c'est quel est ce loop quand je fais return G1 dans la fonction F. Quand je fais return G1 dans la fonction F, ce que je transmets en retour, c'est la valeur de G1, c'est une copie de G1. Donc exactement comme quand j'ai passé un paramètre, quand je passe un paramètre ici, j'appelle F avec G1 et G2, ce que je transmets, ça n'est pas G1 et G2, ce que je transmets, puisque le passage ici est un passage par copie, ce que je transmets, c'est une copie de G1 et G2. Autrement dit, le G1 de F, le G2 de F, ce sont ces paramètres. Eh bien, ce sont des objets de type loop qui sont construits à l'aide du G1 et du G2, respectivement, du main. Et donc, évidemment, symétriquement, quand je fais un return de G1 de la fonction dans F, ce que je renvoie, ça n'est pas G1 lui-même, c'est une copie de G1. Donc, il y a aussi une construction par copie. Si je trace les constructions par copie comme il est fait, vous allez voir que va apparaître des constructions par copie. Je ne vais pas détailler ici, mais il suffit de réfléchir un petit peu pour savoir qui affichait le message et à quel moment. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'est intercalée la construction d'un loop par copie, et celle-ci, elle correspond exactement au retour par copie que j'ai effectué dans la fonction F. Bon, bien sûr, si je fais des passages par référence, ou puis des retours par référence, disparaissent évidemment les fonctions par copie. Donc ici, hein, on a bien effectivement trois constructions, parce que de toute façon, tout est passé par copie et retourné par... Pardon, tout est passé par référence, je vais y arriver. Et tout est renvoyé par référence, donc les seuls objets qui sont créés, c'est G1 et G2. Faites bien attention, hein, j'insiste bien lourdement là-dessus, mais je le ferai moins ensuite. Hein. Mais je vous rappelle que quand j'écris ça, loop G1, loop G2, ça crée effectivement deux objets. Il y a bien création de deux objets, ça ne crée pas... Ce n'est pas simplement la création de référence comme en Java. C'est une référence associée à un objet qui a été créé statiquement. Alors que quand je fais new, ça crée un objet dynamiquement. Je vous rappelle qu'il y a deux espaces de stockage des variables. L'espace statique et puis l'espace dynamique. Donc finalement, ça correspond à l'idée qu'on se faisait, l'idée primitive presque. Si on se rappelle qu'il y a les constructions statiques et puis les constructions dynamiques, il y a bien trois objets construits et puis trois objets détruits. Bon, bref. Il reste quand même des problèmes, mais qu'on traitera plus tard. Il y a les problèmes de copie d'objets, les problèmes d'affectation d'objets, etc. Pour l'instant, je laisse ça de côté. Pour parler de ça, il faudra d'abord parler d'autres
d'autres mécanismes. Donc il y a d'autres choses auparavant qui me semblent importantes de noter ou de parler. Je parle. C'est voilà. Les objets constants. Alors, quelle est l'idée derrière ces choses-là? Bah, c'est exactement réaliser pour les objets la même chose qu'on a pour les variables ordinaires. Hein. Rappelez-vous, une des premières choses que j'ai introduites quand il y avait pendant la partie du cours qui traitait de C++ comme un C étendu, donc on rajoute des petites constructions syntaxiques pour améliorer, structurer le code, etc. Il y avait ces histoires de variables constantes. J'avais dit, faites attention, variables constantes, ça semblerait que ce soit un oxymore, mais en fait, pas du tout, c'est variable informatique. Donc, c'est simplement une variable pour laquelle certaines manipulations sont interdites. Et évidemment, les seules choses qu'on peut faire, c'est simplement consulter le contenu de la variable. Et toute modification, même indirecte, est interdite, puisqu'on transmet d'une certaine manière, via les pointeurs ou je ne sais quoi, la propriété const qui va avec. Alors on peut faire exactement la même chose pour les objets. Et ça peut surprendre au départ, puisque ça, attention, hein, ça n'existe pas en Java. Vous n'avez pas de notion d'objet constant en Java. Hein? Si vous avez défini une classe en Java dans laquelle il existe une méthode qui permet de modifier cet objet, si vous possédez une référence sur cet objet, vous pouvez toujours appeler cette méthode. Modulo, les vérifications que la méthode, le contexte dans lequel vous appelez la méthode, vous allez l'appeler, etc. Les problèmes. Mais néanmoins, vous n'avez pas de moyen d'empêcher à ce qu'on modifie un objet. Or ça peut être important. Hein? On peut avoir besoin, dans le monde des objets, de quelque chose qui représente exactement une constante, comme une constante pour des valeurs numériques, entières, ou flottantes, ou je ne sais pas quoi. Donc autant vous avez droit, par exemple, à la constante pi, par exemple, pour les nombres, on peut imaginer que vous ayez besoin de créer une classe en précision arbitraire, donc ne pas utiliser les flottants et les doubles, parce que ce n'est pas très conseillé de le faire si vous voulez faire des calculs en suffisamment fines. Vous pouvez vouloir créer effectivement une classe qui représente des nombres en précision arbitraire, peu importe. Et vous pouvez avoir évidemment besoin, c'est naturel, comme dans les flottants ou les doubles primitifs, d'avoir une constante pi, et dont on veut s'assurer bien sûr que personne dans le code ne s'amuse à modifier la valeur de pi. C'est ça l'intérêt de constante. Une fois que vous avez déclaré votre constante, il est impossible de modifier sa valeur. Donc je veux pouvoir le faire, par exemple, pour des nombres qui sont en précision arbitraire, c'est simplement des instances d'une classe que j'ai créée. Ou alors, un autre exemple, vous avez, un logiciel qui fait des calculs géométriques, peu importe si c'est dans le plan ou pas, ça ne m'intéresse pas, mais et vous voulez fixer une origine pour ces points. Bah, bien sûr, vous ne voulez pas, j'en sais rien, mais vous pouvez vouloir empêcher toute modification de l'origine, pour une raison x ou y. 0, 0, 0, fixer une fois pour toutes. Vous décidez de la fixer pour autre chose, en une autre valeur au démarrage, si vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez vouloir interdire à ce qu'on puisse modifier ce point-là. Bon, puis la couleur rouge, pour les couleurs, si vous avez une classe couleur, ça paraît naturel de ne pas permettre. Donc on imagine, j'ai une classe couleur, puis dedans, il y a des méthodes pour modifier le R, le V, le B, si je présente les couleurs en RVB ou RGB, comme vous voulez. Si je veux créer une couleur rouge, j'aimerais bien qu'on ne puisse pas la modifier. C'est-à-dire qu'il soit impossible de tout d'un coup transformer le rouge en bleu, ce qui pourrait être étrange. Ou alors, évidemment, là, c'est encore plus clair, dès qu'on parle de l'argent, on ne veut pas modifier la valeur faciale d'un billet. Hein. Si j'ai un billet de 100 euros, on ne veut pas autoriser quelqu'un à rajouter un petit zéro au feutre. Alors, c'est une image, mais on ne veut pas que dans le code, quelqu'un s'amuse à modifier la valeur du billet simplement en appelant une méthode. Donc, c'est important d'avoir besoin de ces constantes-là. Alors, généralement, on s'en sort autrement si on ne l'a pas. Hein. Mais voilà. Alors qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on réalise ça en C++, pardon? Eh bien, c'est simple, il suffit de qualifier la variable comme étant const. Vous avez besoin d'un point constant, vous le déclarez comme un const point. Au même titre que si vous avez besoin d'un entier constant, vous le déclarez comme const. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien, simplement, ça va réduire
Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça va réduire l'ensemble des opérations possibles sur cet objet. Donc, pour un type ordinaire, on comprend bien ce que ça signifie. C'est-à-dire que toute opération qui conduit à modifier la valeur de la variable correspondante est interdite. Donc, si j'ai un anticonstant, je ne peux pas faire plus, ni en préfixe, ni en postfixe. Je ne peux pas faire moins, je ne peux pas faire d'affectation. Je ne peux pas faire plus égal, enfin, les affectations modifiées, etc. Hein. Ça devient impossible. Par contre, je peux lire l'entier, je peux le manipuler pour tout le reste. Alors, pour un type classe, comment ça marche? Ça va être pareil, c'est-à-dire pour un type classe, pour un objet instance d'une classe, je vais simplement réduire l'ensemble des opérations. Hein, parmi les opérations possibles pour ce type classe, je vais dire quels sont ceux qui sont possibles sur const et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont autorisés quand j'ai une variable constante et ceux qui ne le sont pas. D'accord ? Donc, je vais simplement réduire. Et quelles sont les opérations quand on parle de classe ? C'est simplement les méthodes. C'est via des méthodes que vous manipulez vos classes, normalement. On reviendra sur cette question plus tard. Mais, donc simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'ensemble des opérations, donc l'ensemble des méthodes. En fait, on va plutôt qualifier certaines méthodes pour dire, cette méthode-là, c'est autorisé si je suis const, et celle-ci, ça ne l'est pas si je suis const. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est toujours pareil, on va utiliser le mot-clé const, ou l'attribut const, si vous voulez, le mot-clé const comme attribut de quoi? Comme attribut d'une méthode. Mais regardez bien où est-ce qu'il est placé, l'attribut const. Il est placé ici, c'est-à-dire si je regarde le prototype de cette méthode, ça signifie que j'ai une classe nombre, dans laquelle il y a un certain nombre de méthodes, il y a un constructeur, et puis il y a une méthode tout long, tout in, set, etc. Et parmi ces méthodes, donc évidemment pour toute méthode, je suis conforme à ce que c'est que le prototypage d'une méthode, c'est-à-dire un identificateur, une liste de paramètres, ici elle est vide, donc, très bien, une valeur de retour, pareil pour toutes ces méthodes, tout va bien. Simplement, vous voyez que pour ces deux méthodes particulières, il y a le mot-clé const qui apparaît derrière. Faites attention, je ne le mets pas devant. Si j'avais mis const longue tout longue, ça signifie autre chose. Ça voudrait dire que j'ai une méthode tout longue qui renvoie à un long constant. Ce n'est pas ça que je veux. Je peux vouloir ça, mais ce que je veux là, c'est dire que cette méthode est autorisée sur les objets constants. Donc dès que je qualifie une méthode de const, mais derrière le prototype, pas devant, ça signifie quoi? Ça veut dire que cette méthode, vous pouvez l'appeler si c'est un objet constant. Bien sûr, si ce n'est pas un objet constant, c'est autorisé de l'appeler aussi. Mais par contre, si j'ai un objet constant et que j'essaie d'appeler une méthode pour laquelle il n'est pas écrit const, ça provoque une erreur. Donc en fait, const, c'est un attribut qui permet de qualifier les méthodes pour définir exactement le sous-ensemble des méthodes que vous pouvez utiliser quand vous avez affaire à un objet const. Quand vous n'avez pas affaire à un objet const, toutes les méthodes, voilà, etc., peuvent fonctionner. Donc notamment, si je prends un nombre n quelconque, construit, ça ne m'intéresse pas, j'ai le droit de faire n.7. Si je fais n.7, il n'y a aucun problème. N est un nombre, 7 est une méthode autorisée. De toute façon, mon nombre, si n, il n'est pas constant, donc c'est un nombre ordinaire, j'ai le droit d'appeler toutes les méthodes, pourvu qu'elles soient visibles, blablabla. Je n'ai pas encore parlé de ces histoires-là, mais on reviendra là-dessus. Par contre, si je déclare, je veux me déclarer le zéro des nombres, je veux me définir le zéro des nombres, je peux avoir besoin de ça. Ça me paraît naturel. Si je veux me définir le zéro de mes nombres, je veux le définir évidemment comme un objet constant, comme un nombre constant. Je ne veux pas qu'on s'amuse à modifier le zéro. Je risque d'avoir des problèmes de calcul. Alors si je veux faire ça, je le déclare comme const. Et ça me conduit à quoi? Ça me conduit à ce que avec l'identificateur zéro, je peux appeler toutes les méthodes pourvu que celle-ci soit qualifiée de const. Donc quand j'appelle la méthode toLong sur zéro, il n'y a aucun souci. toLong est une méthode qui a été qualifiée par la const, donc c'est appelable sur un objet const. Parce que cette méthode ne modifiera pas l'objet nombre. Le nombre correspond. Je sais que tout long ne modifiera pas l'objet long. On peut se demander comment, mais le compilateur il va vérifier. Je pourrais essayer de tricher, imaginer que dans tout long je veuille modifier l'attribut. Si jamais dans tout long je tente une telle opération, bien sûr le compilateur il me dit non, c'est une méthode const, pourquoi est-ce que vous voulez modifier l'attribut? Ça c'est pas raison. Bon, bien sûr, si je tente 0.7, c'est en rouge, 0.7 ça ne fonctionne pas pour la bonne et simple raison, c'est que le compilateur voit que 0 est une variable de type const nombre,
Et donc, l'ensemble des méthodes appelables est réduit. Il est réduit à quoi? Bah, uniquement celles qui sont qualifiées const. Le malheur, c'est que 7 ne sont pas des méthodes qui sont qualifiées de const. Donc, cette opération est interdite. Donc, voilà comment on réduit l'ensemble des opérations. Bien sûr, mais c'est une question de design, une question de conception. Il faut concevoir maintenant, quand vous concevez vos classes, il faut imaginer en plus que des utilisateurs puissent avoir besoin de définir des objets constants. Hein, ça peut paraître naturel pour eux. Donc il faut absolument, quand vous concevez vos classes, maintenant, définir, penser à chaque fois que vous définissez une méthode, de dire, ah, tiens, est-ce que cette méthode s'appliquera ou pas, ou sera applicable sur un objet const ou pas. Alors, évidemment, cette contrainte, elle peut être trop forte. Hein, je vous ai dit que si vous définissez nombre comme ça, dans la méthode tout longue, si vous essayez de définir la méthode tout longue, hein, imaginez que j'ai un attribut quelque part, je ne sais pas quoi, j'ai un int, value, je sais pas, peu importe ce que j'ai à l'intérieur, des attributs. Encore une fois, si dans la méthode tout longue ou dans la méthode tout int, j'essaie de modifier ces attributs, le compilateur, il l'empêche de compiler. Il me dit non, vous êtes dans une méthode const et vous êtes en train de modifier les attributs. Ça, c'est pas possible. Parce que const, hein, c'est un contraint fort. C'est exactement comme le const des référents, des passages de référence. C'est-à-dire que je sais que quand j'appelle une méthode qui est qualifiée de const, l'objet ne sera pas modifié. Donc pour garantir ça, évidemment, c'est que le compilateur, en amont, déjà quand il a compilé la classe const, il a vérifié que le fabricant ou le développeur de la classe const n'a pas fait de bêtises. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas amusé dans tout le monde à modifier des attributs. Donc vous avez la garantie que c'est correct. Alors le problème, c'est que ça, c'est une contrainte qui peut être considérée comme un peu trop forte. Alors, pourquoi est-ce que c'est trop fort? Eh bien, malheureusement, l'idée des objets, c'est que vous les manipulez toujours, a priori, via des méthodes. Normalement, vous n'allez pas trifouiller vous-même les attributs. Ça, c'est dangereux. Je reviendrai sur cette question plus tard, mais c'est dangereux de déclarer des attributs publics, même si vous considérez que c'est bien. Méfiez-vous, il y a une règle qui consiste à dire qu'il ne faut pas le faire. Je vous rappellerai, enfin, je vous montrerai ce qu'il faut faire. Lieu et place. Et donc normalement, la seule chose que vous devriez pouvoir faire avec des objets, c'est simplement appeler des méthodes. Ne jamais modifier les attributs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les méthodes, elles vous donnent simplement une vision de l'objet. Vous avez un état interne, vos objets, ils ont un certain état interne, et puis via ces méthodes, vous avez des méthodes qui vous permettent de modifier cet état, mais vous ne savez pas exactement comment ils représentent cet état. Et puis, vous avez des méthodes qui vous permettent, en gros, de récupérer une partie de l'état. De lire l'objet. Mais ça, c'est pareil, ça vous renvoie une valeur, rien ne vous dit que la valeur est stockée à l'identique dans l'objet. L'objet est libre, puisque c'est une boîte noire, de se débrouiller pour ranger les valeurs. Moi, quand je dépose 100 euros sur mon compte en banque, ou quand je retire 100 euros, je ne sais pas ce que la banque fait avec. Peut-être qu'elle transforme ça en grammes d'or, en dollars, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est que quand je dépose 100 euros, je puisse ensuite retirer 100 euros. À l'intérieur, je ne sais pas ce que ça devient. Ça devient probablement pas des euros, mais des octets quelque part dans un système informatique. Hein, la monnaie est relativement... C'est bien. D'accord ? C'est pas parce que j'ai l'impression que de l'extérieur, mon objet ne se modifie pas, qu'il n'est pas nécessaire, depuis l'intérieur, de le modifier. Par exemple. Si j'imagine que sur chaque compte en banque, je veux tracer toutes les transactions qui ont été effectuées. Un compte en banque, et puis j'ai le droit, hein, je vais sur Internet et je veux savoir combien j'ai. Je vais sur Internet, je regarde combien j'ai, ça ne fait que lire le contenu, mais a priori ça ne modifie pas le contenu. Hein. Normalement, ce n'est pas payant de consulter son... c'est pas payant à l'acte de consulter son compte en banque. Je peux consulter mon compte en banque 1000 fois par jour. Ça ne me coûte rien, ça retourne toujours la même valeur si je ne fais rien entre autres. Le problème, c'est qu'on peut imaginer qu'attaché à ce compte en banque, le banquier, lui, il a besoin de savoir si je suis un utilisateur compulsif ou je ne sais pas quoi. Il veut savoir combien de fois je consulte mon compte en banque par jour, etc. Donc, il veut tracer ça. Ça, c'est important. On a besoin de tracer les transactions pour diverses raisons. Alors, imaginez qu'il va compter le nombre de fois que j'ai essayé de consulter mon compte en banque. Vous voyez bien que ça, c'est un attribut du compte en banque. Or, si j'essaie de récupérer la valeur du compte en banque, par définition, pour moi, ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est un objet
qui n'est pas modifié. Donc la méthode get, d'une certaine manière, get position, je sais pas quoi, ou get combien j'ai d'argent sur mon compte, peu importe le nom de la méthode, ça, a priori, ça ne modifie pas. Donc on a envie de dire que cette méthode-là, elle sera très probablement qualifiée à l'aide de const. Mais vous voyez bien le problème, c'est que si elle est qualifiée à l'aide de const, ça veut dire que le concepteur de la classe de compte en banque, il ne va pas pouvoir incrémenter l'attribut correspondant au nombre de transactions. Puisque par définition, si la méthode est qualifiée de const, il ne peut modifier aucun attribut, bien sûr. Donc j'ai une espèce de... Je suis un peu ennuyé. J'ai besoin de pouvoir déclarer des objets constants. Par exemple, alors j'ai pris l'exemple du compte en banque, mais je prends un autre, hein, le point ou le zéro, par exemple, et puis j'ai besoin de savoir combien de fois dans le code quelqu'un a essayé d'accéder à zéro pour sa valeur, ou je ne sais pas quoi. Hein, vous pouvez très bien avoir besoin de ça. Vous êtes un programme qui fait des calculs numériques, vous voulez savoir combien de fois le zéro est atteint, ou je ne sais pas quoi. Vous prenez la classe nom telle qu'elle est définie auparavant, peu importe sa structure à l'intérieur, mais on imagine qu'en plus, à chaque fois que j'essaie de récupérer sa valeur, ou j'essaie de... J'ai une, par exemple, que j'utilise la méthode toLong ou la méthode toInt, que j'essaie d'appeler une de ces méthodes, et ben je compte. Combien de fois, tiens, il a essayé de transformer cet objet-là en un long ou en un int. Donc j'ai à l'intérieur un attribut, j'imagine que j'ai un attribut à l'intérieur qui compte. Et à chaque fois dans toLong, ce que j'ai envie de mettre, c'est d'incrémenter cet attribut. Bon, très bien. Sauf que ça, c'est interdit. C'est interdit parce que j'ai qualifié ça de const. Donc ça, c'est juste pas possible. Hein, le compilateur va râler. Comment je lève cette contrainte? Parce que là, j'ai deux contraintes qui ont l'air incompatibles. Eh bien, pour ce faire, c'est l'attribut mutable qui sert à ça. Mutable, ça sert à quoi? Ben, ça sert simplement à dire que certains attributs peuvent être mutables. Pour autant, ça veut dire qu'on peut les utiliser via une méthode const et les modifier via une méthode const. D'accord? Donc cet attribut qui n'est pas très souvent utilisé, mais parce qu'on se méprend sur l'usage déjà de const souvent, c'est plus. Mais il suffit simplement de lever la contrainte de cette manière-là. Donc encore une fois, si je prends ma classe compte aussi bêtement que ça, hein, si j'essaie d'écrire ça, hein, c'est exactement ce que je viens de décrire tout à l'heure, j'ai la position de mon compte, j'ai le nombre de transactions, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça. Quand je fais get position, ça me renvoie la position. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je vois que j'ai 100 euros sur mon compte. Je suis content. Mais par contre, hein, j'ai à l'intérieur un attribut qui doit être modifié. Je veux savoir combien de fois l'utilisateur a appelé cette méthode. Et ça m'est interdit, bien sûr. Ça m'est interdit parce que la méthode est qualifiée de compte. Donc le compilateur, il s'en aperçoit. Il me dit, mais non, là, vous tentez de modifier un attribut alors que vous êtes dans une méthode const. Je ne vous donne pas les messages exacts des compilateurs, c'est plus, vous avez déjà eu affaire à eux, et les messages sont parfois plus barbares, et en plus c'est très dépendant de la version du compilateur, etc. Donc ça c'est un problème de décoder parfois les erreurs de C++, je crois l'avoir déjà dit, mais en gros, c'est si vous lisez attentivement, c'est ce que vous dira le compilateur ici. Comment résoudre le problème? Ben, ça c'est assez simple, hein. Il suffit simplement, bah justement, de lever la contrainte pour l'attribut nombre de transactions. Je marque cet attribut comme mutable. Et ça fait quoi quand je marque cet attribut comme mutable? Bah ça signifie simplement que ici, malgré le fait que je sois dans le code d'une méthode const, donc qui, elle, normalement, n'a pas le droit de modifier les attributs, bah si j'ai le droit de modifier cet attribut-là en particulier. Bien sûr, vous comprenez aussi que c'est une question de conception, il faut le décider avant. Quels sont les attributs mutables? Quels sont les attributs non mutables? Autrement dit, si on vous demande d'implémenter une classe, normalement ça a été décidé en amont. Ce n'est pas à vous simplement de décider s'il faut rendre un attribut mutable ou non. Il y a une petite remarque au passage que personne ne m'a faite ici, mais on peut se demander si l'écriture que je fais ici est autorisée en C++, puisque auparavant, je vous ai bien expliqué, normalement on découpe les choses, hein, comme en C, c'est-à-dire... Des déclarations, des définitions, et puis on assemble tout ça. Et vous remarquez qu'ici, j'ai fait à la fois la déclaration de la classe et la définition de la classe. Puisque ce que j'avais appelé la définition de la classe en C++, c'est un peu subtil. Définir la classe, c'est en fait définir le code des méthodes. Donc j'avais dit normalement, ce que vous devriez écrire, c'est classe compte, ouverture de bloc, private in position, mutable in transaction, public, in get position, point virgule, et je ferme le bloc. Et ensuite, dans un fichier,
Donc ça, je mets ça dans un point H, puis ensuite dans un fichier CPP, je définis la méthode getPosition de compte en utilisant l'opérateur de portée, donc int, compte, deux points, getPosition, const, machin. Ici, vous remarquez, je fais tout en une seule opération, je déclare et je définis à la fois ma classe. C'est autorisé en C++, même si ce n'est pas toujours conseillé, mais voilà, pour les petites classes, ce n'est pas très gênant. Il y a des petites subtilités, qu'est-ce que ça signifie exactement? Simplement, quand vous faites ça, il y a un inlining automatique des classes. Si vous vous rappelez ce que c'est qu'inlining, je vous ai dit que ce n'est pas très important. Ceux qui aiment les choses techniques retrouveront exactement de quoi il s'agit. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut vouloir faire. Évidemment, maintenant, j'ai le droit de déclarer des variables constantes. Quand je définis une classe, bien sûr, je peux aussi avoir des attributs constants. Si je suis en train de définir le système informatique de la sécurité sociale et que je suis en train de définir une classe qui représente les affiliés à la sécurité sociale, eh bien, on sait que ces affiliés, ils ont un numéro d'identification, hein, notre numéro de sécu, là, notre numéro INSEE, normalement. Évidemment, il est constant, hein, normalement, on ne change pas de numéro de sécurité sociale. Pour le faire, c'est un enfer total, chacun le sait. Sur le web, comme on fait, vous trouverez bien que c'est un enfer, il faut des compliqués. En tout cas, a priori, normalement, on devrait considérer ça comme constant. Donc on m'a attribué définitivement un numéro de sécurité sociale quand je suis né, et donc, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est que ça se reflète aussi dans le système informatique. On ne veut pas que, par erreur, un bout de code puisse modifier mon numéro de sécurité sociale, l'incrémente par erreur ou volontairement ou involontairement. Bien sûr. Donc comment faire ça? Il est naturel de s'imaginer que dans la classe qui représente un affilié à la sécurité sociale, il y a un attribut qui représente son numéro, enfin qui code son numéro. Cet attribut, je peux vouloir le définir comme constant. C'est-à-dire ça signifierait que pour une instance de la classe affiliée, il y a un attribut à l'intérieur qui est son numéro de sécurité sociale et qui lui est constant, c'est-à-dire qu'on ne puisse jamais le modifier. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Voilà un exemple. Hein. Simplement, vous allez le qualifier de const. Donc attention, hein, ce n'est pas l'individu qui est constant. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça définit une classe dont pour chaque instance, il y aura un attribut numéro de sécurité sociale. Donc cet attribut est constant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le modifier. Alors, le problème, c'est le suivant. Rappelez-vous que quand on définit une constante, on ne peut pas utiliser l'opérateur d'affectation, par définition. Puisque l'affectation, c'est une opération C ou C++ qui modifie une variable déjà existante. J'avais déjà dit qu'il ne faut pas confondre, cette fois, en C ni en C++, il ne faut pas confondre ça et ça. C'est très différent en C++. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus dans un des tout premiers cours. Ça, c'est la définition d'une variable avec initialisation, alors que ça, c'est la définition d'une variable sans initialisation, suivi par une opération d'affectation. Donc quand je fais i égale 4 ici, la variable i existe déjà, elle a une valeur, on l'oublie, on met 4 à la place. Alors qu'ici, on construit une variable i avec la valeur 4. C'est une initialisation, pas une affectation. Même si l'opérateur pourrait laisser penser le contraire. Donc, si je me rappelle bien ça, puisque justement, quand j'ai un objet constant, quand j'ai une variable constante, peu importe, quand j'ai quelque chose de constant, c'est plus, je ne peux pas le modifier. Donc les affectations me sont interdites. Par définition de constant, je ne peux pas changer la valeur d'un objet. Donc si j'ai défini un attribut constant, je suis confronté à un problème un petit peu sérieux. C'est comment est-ce que je fais? Puisque dans le constructeur d'un individu, il y a bien un moment où je vais vouloir construire des individus. J'ai créé une classe pour ça, c'est que je veux instancier cette classe. Donc la question c'est, maintenant dans le constructeur de l'individu, comment est-ce que je fais pour initialiser numéro de sécurité sociale?
Je pourrais tenter d'écrire ça, numéro de sécurité sociale égale une valeur. Mais ça, c'est pas possible. Puisque ça, c'est bien une affectation. Donc je n'ai pas le droit d'affecter une variable constante. Donc la question qui se pose, c'est comment je fais pour l'initialiser. C'est juste ça le truc. Donc vous avez une syntaxe particulière pour initialiser les attributs constants. Et on retrouvera cette syntaxe dans d'autres cas. La syntaxe se fait de la manière suivante, c'est-à-dire que ça, la définition du constructeur pour la classe individu, je la fais suivre avant le bloc de deux points, numéro de sécurité sociale, et puis je mets entre parenthèses sa valeur. Alors rappelez-vous pourquoi ça marche. D'abord parce que numéro de sécurité sociale, parenthèse, c'est une syntaxe admise pour l'initialisation fonctionnelle des entiers, enfin des types primitifs. C'est-à-dire que ça, c'est plus plus. Le int i égale 4, hein, je vous rappelle, j'ai le droit de l'écrire comme ça. J'ai le droit d'écrire int i parenthèse 4. Ça veut dire la même chose. Donc ça, c'est simplement une initialisation que je suis en train de faire. Et puis cette initialisation, elle est simplement séparée de la définition du de la déclaration du prototype du constructeur avec deux points. Donc ça, c'est une phrase C++ qui signifie que pour construire un individu avec les paramètres machin, truc, bidule, chouette, je commence par initialiser l'attribut numéro de sécurité sociale avec la valeur blablabla, peu importe. Et puis je fais quoi ensuite? J'exécute toutes les instructions qu'il y a dans le code qui suit. Donc ces opérations-là, cette opération-là, numéro de sécurité sociale, c'est une opération qui se produit avant même l'exécution de toute instruction du bloc d'initialisation de la classe. Donc c'est pas là-dedans que je peux initialiser mes attributs constants. Là, c'est trop tard. Parce que quand je suis dans ce bloc-là, il faut comprendre ce qui se passe quand on construit un objet et quand on initialise un objet. Quand je suis dans le constructeur, c'est-à-dire quand je suis dans les instructions du bloc du constructeur, c'est que forcément la mémoire a été allouée. Sinon, j'aurai un problème. À la construction d'un objet, votre langage, c'est lui qui s'occupe de faire l'allocation mémoire. Donc le problème, c'est que quand je suis dans le bloc, la mémoire correspondante à l'attribut numéro de sécurité sociale, elle existe déjà. Donc si elle existe déjà, la question c'est malheureusement, quelle est sa valeur? On aurait toujours le même problème de mauvaise initialisation des variables. Donc attention à cette syntaxe, parce qu'on va la retrouver dans d'autres cas. Alors, il y a d'autres bizarreries, hein. Qu'est-ce qu'on a vu? Les objets constants, les attributs volatiles, les attributs mutables, pardon. Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Les attributs constants, et puis on peut voir les objets volatiles. C'est un des mots-clés qu'on a vu au départ, dans la liste des mots-clés. Normalement, il y a le mot-clé volatile. À quoi il sert, ce mot-clé? Eh bien, c'est j'allais dire une astuce, je ne devrais pas dire que c'est une astuce. Le problème, c'est qu'il faut avoir quelques petites notions de compilation et de ce qui se passe dans les machines. La plupart du temps, vous savez qu'en fait, les machines essaient d'accélérer votre code. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous consultez une variable, bien sûr, l'idée, c'est qu'on aille chercher la valeur de cette variable en mémoire. Or, vous savez, évidemment, qu'aller chercher une variable en mémoire, ça peut être long, pour plein de raisons. D'abord, vous avez fait du système, donc vous savez qu'il y a de la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle, son problème, c'est que c'est du disque. Donc aller chercher une variable en mémoire, ça peut consister à aller chercher une partie d'un disque dur, de le mettre en mémoire, et puis d'aller lire cette chose-là en mémoire. Mais même la mémoire ordinaire, celle que vous achetez, là, quand vous achetez votre machine à 8 gigas ou je ne sais pas quoi, de mémoire, même celle-là, elle est lente. C'est pour ça qu'on a différents caches. Je ne sais pas si vous avez regardé la spécification des processeurs modernes. Je ne sais pas quoi, des caches de niveau 1, 2, je ne sais pas quoi, etc. Quelle est l'idée? C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on va essayer d'accélérer, si possible, l'accès à la mémoire. Alors effectivement, la mémoire ordinaire, c'est une façon de voir la mémoire disque
comme plus rapide, et puis etc. pour les caches. Et in fine, ce que vous avez, ce qui est le plus rapide, en fait, sont les registres directement, c'est-à-dire de la mémoire qui est à l'intérieur carrément de votre processeur. Alors, ce qui fait que ça marche, c'est qu'évidemment, c'est comme souvent, c'est-à-dire quand on utilise quelque chose, y compris dans la vie courante, quand on utilise quelque chose, un objet, n'importe quoi, on a une tendance assez fréquente à l'utiliser dans un temps relativement court encore après. Si vous lisez un livre, probablement vous allez le poser, mais vous allez continuer à le lire dans pas longtemps. Donc l'utilisation du livre, si vous regardez, hein, elle obéit à une espèce de loi, mais c'est pareil pour tous les objets. Une loi qui est le principe de localité en informatique, dont normalement on a dû vous parler un système. Donc là c'est pareil. Comment font les machines pour faire ça? C'est simplement comme à la bibliothèque, quand ils s'aperçoivent qu'un livre est très emprunté, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent pas loin ou sur les étagères, et pas en archive. S'il fallait aller le chercher à la cave à chaque fois que vous le demandez, ce serait pénible. Donc au bout de 3 fois, ils en ont marre d'aller le chercher à la cave, ils le redescendent, ils le mettent dans leur rayon, et comme ça au moins ça accélère sérieusement le débit. Donc on fait pareil en machine. Ce qu'on va faire, c'est que parfois, on va placer les variables, si possible, par exemple, dans le processeur, pour éviter justement que le processeur, s'il en a besoin dans pas longtemps, dans un temps court, dans un temps futur court, il est tout de suite à sa disposition. Si à chaque fois que je voulais passer un transparent, je devais aller chercher ce petit appareil dans mon bureau et puis le reposer, on n'avancerait pas vite. Je passerais peut-être 4 slides dans l'après-midi. Donc c'est exactement ça. Je le prends avec moi, puis quand j'en ai la marque, je considère que je ne vais pas en avoir besoin, je ne le reposerai plus. Donc ma poche, ma main, et puis mon bureau, ce sont des mémoires de... Alors le problème, l'inconvénient quand on fait ça, c'est qu'évidemment, on pense toujours que les programmes, ils fonctionnent dans un environnement qui est complètement sûr, qu'ils maîtrisent intégralement. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a des zones mémoire qui changent à l'insu du programme lui-même. Ça peut être très important, même si c'est restreint et rare. Mais imaginez que, c'est fréquent, pas toujours, mais on peut très bien imaginer, disons, que quand je bouge ma souris, ça modifie une zone mémoire. Chaque fois que je bouge ma souris, ce qu'on va imaginer, s'il y a un petit dispositif. Je n'ai pas dit que c'était forcément réaliste, c'était exactement ce qui se passait, mais en tout cas, ça peut se passer comme ça dans certains cas. C'est que quand je bouge ma souris, tout le dispositif électronique et logiciel fait que quelque part dans ma mémoire, c'est indiqué que la souris a bougé, et de telle distance, sur tel axe, et je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon programme, quand il veut lire le contenu de la mémoire correspondant à la position de la souris, vous voyez que ce qu'on veut, c'est être sûr qu'à chaque fois qu'il demande l'accès à cette mémoire, on aille lire le contenu de la mémoire, pas qu'on l'ait dans un registre. Parce que si on l'a dans un registre, il irait toujours la même coordonnée. Donc on veut, à chaque fois qu'on a besoin de cette chose-là, aller le chercher à sa source. Donc c'est à ça que sert le volatile, à empêcher les caches de valeur. Alors son usage est rare, mais si ça vous intéresse, on peut faire ça. Imaginez qu'il y ait une zone mémoire d'une certaine adresse qui contienne le temps courant exprimé en microsecondes, de la machine. Eh bien, vous voulez être sûr, vous voulez par exemple encapsuler ça à l'intérieur, je ne vous donnerai pas les détails qui sont là, mais vous voulez encapsuler cette zone mémoire dans une classe et pouvoir la manipuler agréablement. C'est-à-dire plutôt que d'aller chercher vous-même via un pointeur, les machins, etc., ce que vous voulez, c'est simplement avoir une classe clock et puis pouvoir aller lire directement la valeur mémoire située à l'adresse qui vous intéresse. Donc c'est exactement à ça que sert volatilisme. Ça vous garantit que l'objet lui-même, il sera... on va lire sa mémoire depuis la véritable mémoire et non pas depuis des registres. C'est un peu technique, c'est pas très grave. Bien sûr, vous pouvez combiner ça, vous avez le droit de const volatile, c'est une raison. Alors, un objet const, ça veut simplement dire que votre programme ne peut pas le modifier, ça ne veut pas dire que l'objet est const. Bizarre, mais c'est comme ça. Par exemple, l'horloge, c'est le cas. L'horloge, je ne voulais pas que le programme puisse modifier la valeur qui est en mémoire, ça n'a aucun sens. Donc, d'une certaine manière, vous voulez interdire les opérations d'écriture, par exemple. Dans certains cas, il peut y avoir des horloges constantes et d'autres non. Et puis, par contre, elles peuvent être volatiles aussi, pour la même raison que j'ai indiqué tout à l'heure.
Donc bien sûr, c'est pas incompatible, même si ça paraît bizarre. Volatile, on a envie de dire, ah oui, mais volatile, c'est un truc qui veut dire qu'en gros, il faut aller lire la mémoire parce que la variable va changer. Et const, ça veut dire, bah non, la variable, on ne peut pas la changer. C'est pas incompatible, on ne peut pas la changer depuis le programme, ça ne veut pas dire pour autant que sa valeur ne peut pas changer. Ok ? Donc on peut combiner const et volatile, il n'y a aucun souci. Même si c'est rare, je vous l'avoue. Bon, pas très grave. Un truc important, les objets, vous savez, j'espère, c'est la capacité qu'ont les objets à l'autoréflexion. Comme en Java, j'avais le mot-clé this qui sert à ça, c'est-à-dire qui sert à ce que tout objet puisse se désigner lui-même. Alors il y a deux usages en fait au mot-clé correspondant. Il y a des langages pour lesquels le mot-clé est différent. C'est pas dit, c'est self, parfois. Et ça, c'est comme dans toutes les langues naturelles. Il existe dans toutes les langues naturelles un ou parfois même plusieurs mots qui permet à n'importe qui de parler de lui-même. Je, moi, ça signifie exactement ça. Bah, c'est pareil pour les objets, ils ont besoin de parler d'eux-mêmes. Alors on va voir parfois pour lever certaines ambiguïtés, ça c'est un peu anecdotique, mais parfois c'est évidemment plus nécessaire. Il se peut qu'un objet ait besoin de parler de lui parce qu'il veut s'insérer lui-même dans quelque chose. Vous voulez appeler une méthode sur un objet, vous voulez que l'effet induit de l'appel de cette méthode, c'est que l'objet va s'insérer par exemple dans une liste. Donc si vous y réfléchissez, il y a bien un moment où l'objet il a besoin de dire « moi je veux me mettre dans la liste ». Vous appelez une méthode. L'objet, en réponse, il fait « moi, je vais m'insérer dans la liste ». Il a besoin de parler de lui-même. Ça, c'est important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour C++, quel est le type de « this » Eh bien, c'est soit un pointeur sur l'objet, sur le type de l'objet, pardon, soit un pointeur sur le type constant. Et vous devinez, évidemment, que dans le cas où vous êtes dans un objet constant, le type correspondant, c'est « constant ». Vous ne pouvez pas non plus espérer utiliser ce mot-clé-là pour modifier un objet constant non plus. Le const, hein, il se diffuse partout. Alors d'un point de vue anecdotique, c'est pour la levée d'ambiguïté. Chacun fait comme il veut. Ça, c'est la façon plutôt propre de régler la question. Mais c'est toujours pareil. Hein. Vous avez dans ma classe un attribut qui s'appelle valeur. Et puis vous avez besoin de faire une fonction, par exemple cette valeur, qui prend quoi en paramètre ? Ben un entier, vous aimeriez bien que cet entier-là, il serve à initialiser l'attribut. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une règle, c'est que normalement, en génie logiciel, il y a des règles élémentaires qui vous disent « Ok, si quelque chose représente un concept, il vaut mieux que l'identificateur utilisé il soit proche du concept. » Donc, si l'attribut doit s'appeler « valeur », appelez-le « valeur ». Si le paramètre ici, il est naturel qui s'appelle « valeur », appelez-le « valeur ». Le problème, c'est que vous avez l'ambiguïté habituelle, c'est-à-dire que il y a un conflit entre, dans cette fonction, si j'enlève l'underscore, il y a un conflit dans cette fonction entre le nom du paramètre et le nom de l'attribut. J'aimerais bien utiliser le paramètre pour affecter l'attribut. Évidemment, je n'ai pas le droit d'écrire valeur égale valeur. Enfin, si je le fais, ça ne donne pas l'effet attendu. Ça marche, le compilateur ne dit rien, mais ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc souvent, comment est-ce qu'on fait ? Ben, on renomme le paramètre. Ok, alors où vous le renommez V, où vous le renommez... Son standard, bah, c'est de mettre un underscore devant. Enfin, il y a pas mal de programmeurs qui font ça. Et là, évidemment, il n'y a aucune ambiguïté. Ça veut dire que quand vous appelez la méthode cette valeur avec le paramètre qui s'appelle underscore valeur, ça fait valeur égale underscore valeur. Donc l'attribut prend la valeur du paramètre. Bon, alors, ce à quoi sert dit, c'est évidemment de lever cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas nommer ce paramètre valeur, donc nommer l'attribut valeur, nommer le paramètre valeur, il n'y a aucun souci, puisque ça signifie exactement ce que vous cherchez. Quand vous prenez l'identificateur valeur, c'est évidemment la règle du plus proche qui s'applique, et donc le plus proche qui a été déclaré, c'est le paramètre. Donc ici, il s'agit bien du paramètre. Maintenant, ici, on a levé l'ambiguïté, parce que ce qu'on a dit, c'est, rappelez-vous, ce mot-clé-là, il sert à indiquer à l'intérieur de cette méthode qu'on parle de l'objet courant. L'objet courant, il a un attribut,
Cet attribut s'appelle valeur, this/valeur. Ça parle bien de l'attribut valeur de l'objet courant. Alors, bien sûr, c'est une flèche, puisque ce qu'on a à faire, rappelez-vous, pour le mot-clé this, c'est un pointeur du type. Et quand on cherche à déréférencer un pointeur, on utilise la flèche comme on sait. Si vous n'aimez pas utiliser la flèche, étoile point, ça fonctionne aussi. C'est pareil. Ça, c'est le cas plus intéressant. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas d'autre moyen de vous en sortir que de faire comme ça. Ou alors, ce serait des moyens vraiment tordus. Hein, mais imaginez, c'est la situation que j'ai tout à l'heure. Ce que j'aimerais, c'est appeler une méthode sur mon objet. Et puis que ça fasse quoi comme effet secondaire, eh bien, l'objet, il s'insère dans une liste, dans quelque chose. Donc, c'est exactement ça. Bah, par exemple, hein, si je veux que quand je construis une instance de l'objet ma classe, donc dans le constructeur, j'aimerais automatiquement ranger cet objet-là dans une liste, la liste de tous les objets qui ont été créés. Pourquoi pas? Je peux avoir besoin de faire ça. Je veux dans mon programme, à tout instant, tracer et savoir exactement quels sont les objets qui ont été créés, quand, à quel moment. Bon, le mieux, c'est de les insérer automatiquement à chaque fois que j'en crée dans une liste. Dans le constructeur de l'objet ma classe, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai une liste de tous les objets, et à chaque fois que je crée un objet de type ma classe, ben, je l'insère dans la liste. Donc si vous y réfléchissez, il faut bien que je dise, dans une méthode de cet objet, il faut bien que je parle de l'objet lui-même. Donc il y a bien une auto-réflexion, une réflexion, si vous voulez, une auto-désignation nécessaire. Bon. Vous avez déjà employé ça, hein, là-bas. Que du rappel. Ah, les membres statiques. Donc là, pour l'instant, on a vu que des attributs pour chaque classe. Mais il se trouve qu'on peut voir évidemment la classe elle-même comme une unité d'encapsulation. Après tout, hein, vous pouvez avoir besoin de stocker des informations qui sont liées au concept, mais qui ne sont pas liées aux instances. Alors l'exemple classique, hein, bah, si vous avez... L'exemple classique, je ne sais pas. Si vous voyez la classe comme un ensemble, l'ensemble des entités. Dedans, vous avez les éléments. Ça, c'est la vision mathématique que vous avez. Vous avez la classe, l'objet, ça représente la classe, et puis ça, c'est les instances de cette classe-là. Objet, je sais quoi, 0. Alors, il peut y avoir des propriétés sur ces objets, okay, sur les entiers, il n'y a pas de choses très intéressantes comme attributs, disons, mais il y a des attributs qui sont liés à l'ensemble lui-même. Par exemple, combien j'ai d'objets dans mon ensemble? Le nombre d'objets de l'ensemble, ce n'est pas une propriété des individus. C'est une propriété de l'ensemble, donc de la classe. Donc où est-ce que ça stocke? On ne va pas stocker ça dans chaque objet, ça n'a aucun sens. Ce qu'on veut, c'est pouvoir stocker des informations au niveau du concept lui-même. Alors, c'est pour ça que en C++, mais en Java, vous avez la même chose aussi, vous avez le droit à ce qu'on appelle des données. Donc, une classe, évidemment, ça peut contenir des données membres et des fonctions membres, donc des champs ou des méthodes. Hein. Mais ça peut contenir aussi des données et des fonctions qui sont attachées à la classe elle-même. Donc, c'est-à-dire qui sont partagées par toutes les instances. Vous pouvez aussi le voir comme ça. Vous pouvez le voir comme... Pour chaque objet de ma classe, rappelez-vous les objets, j'en fais des patates. J'ai un objet ici, j'ai un autre objet ici. Puis ce que j'aimerais, c'est que chacun des objets, d'une certaine manière, c'est une autre façon de voir. Eh bien, ils ont un attribut qui est partagé par tous. Et si j'y réfléchis, s'il est partagé par tous, et que c'est un attribut qui est en dehors des objets. Donc le mieux, c'est de les voir dans la classe. Parce que la question, c'est, ok, c'est partagé, et cette zone, elle est où? Cette zone-là, elle est justement dans la classe. Alors attention, parce qu'en C++,
Les classes C++ ne sont pas des objets. C'est le cas en Java. Hein. Les classes Java sont des objets. Si vous le savez. Vous pouvez vraiment les manipuler, ils ont des méthodes, etc. C'est pas le cas en C++. Hein. Mais disons que dans ce cas-là, si vous voulez comprendre les variables statiques, vous avez le droit de les voir comme ça, c'est pas très gênant. Vous avez le droit de considérer que ce qui contient la variable partagée, c'est un objet, bien sûr. C'est pas gênant. Même si vous ne pouvez pas le manipuler comme un objet, vous avez le droit. Alors comment est-ce qu'on déclare ça? Bah, c'est simple, hein, vous avez le mot-clé statique. Si vous déclarez un membre comme étant statique, eh bien, c'est d'un membre qui est simplement lié à la classe et non pas aux objets. Bien sûr, il est accessible depuis tous les objets. Tous les objets de la classe le voient. Hein? Mais cet objet, cet attribut-là n'est pas propre à chaque instance. Alors maintenant, comment on l'initialise? Eh bien, on l'initialise avec cette syntaxe-là. Donc, de façon globale dans le programme, vous écrivez un attribut de une classe égale sa valeur. Je vous rappelle que ça... Pardon. Ça, c'est la déclaration d'une classe. Au même titre, si je n'avais pas mis statique, c'est la déclaration d'une classe. C'est-à-dire que quand je ne mets pas statique, de toute façon, ça voudrait dire que j'ai une classe avec un attribut. Bien sûr, ça ne définit pas une variable attribut, c'est juste une déclaration. La variable un attribut ne sera définie que quand j'aurai construit un objet. Pour chaque instance, je vais construire les attributs qui vont avec. Là, c'est pareil. Quand je fais ça, c'est une simple déclaration. Autrement dit, ce n'est pas parce que j'ai écrit ça, même si c'est une variable partagée, que cette variable partagée existe, etc. Pour la faire exister, eh bien, vous êtes obligé de la définir. Puis en général, de l'initialiser. Alors ça, c'est une syntaxe que normalement, vous devez connaître aussi. C'est simplement la syntaxe d'initialisation des variables globales du C. Ben, c'est exactement ça, hein, une variable de classe, un attribut de classe, c'est une variable globale. Simplement, cette variable globale, elle est protégée par la visibilité de la classe. Donc faites attention parce qu'on oublie souvent, hein, on croit que quand on définit une variable statique, quand on déclare une variable statique, en fait, on la définit. Ben non, il faut la définir avec l'opérateur de portée dans le module qui va nous. Bon, ben pour les fonctions membres, c'est pareil. Ça, ça définit une fonction ou une méthode, si vous voulez, getAttribut, de la classe, une classe, mais cette méthode est statique. Donc, c'est une méthode partagée par toutes les instances. Alors, il y a des contraintes, évidemment, c'est que dans une méthode statique, vous ne pouvez pas utiliser le mot-clé 10, il n'y a pas d'objet caché derrière l'appel de cette méthode, il n'y a pas de contexte d'objet. Et puis, évidemment, c'est statique, c'est-à-dire que ces choses-là existent quand bien même il n'y a pas d'instance. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je veux représenter un ensemble vide, je peux avoir le concept d'un ensemble. Le fait qu'il est vide, c'est le fait que le nombre d'éléments est égal à 0. Donc il peut ne pas y avoir d'instance, mais il peut y avoir ce nombre existe. Bon, bah pareil, les fonctions pour manipuler ce nombre peuvent exister quand bien même il n'y a pas d'objet ou d'instance de la classe. Donc les membres statiques, hein, ils existent au démarrage du programme. Il n'y a pas besoin de créer un objet pour que ces méthodes existent, ou ces objets-là existent. Donc voilà, la syntaxe de nommage, bah, c'est simplement via l'opérateur de portée. Donc normalement, puisqu'un attribut c'est un membre statique, donc il existe en dehors même de l'existence d'une instance, donc, la façon de le nommer c'est via l'opérateur de portée. Ça signifie que je tente d'accéder à un attribut statique de la classe qui s'appelle une classe. Et puis, je vais attribuer une valeur. Là, j'appelle une méthode statique. Alors, faites attention, hein, on utilise parfois cette syntaxe. Moi, je n'aime pas, parce que c'est ambigu. Mais si vous avez un objet, hein, si vous avez une instance de cette classe,
Bien sûr que vous pouvez jouer avec un attribut ou avec get attribut. C'est possible. Seulement c'est ambigu parce que quand je lis ça, si j'ai ça sous les yeux, je ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Est-ce que c'est une méthode de l'objet ou est-ce que c'est une méthode de la classe ? Une méthode statique. Normalement, si vous avez des méthodes statiques, bah, appelez-les toujours avec l'opérateur de portée, avec le type. Ça évite les ambiguïtés. C'est une extension, mais pas jolie, qui est parfois employée. Bon, ok, ça je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, en dehors de statique, hein, vous avez le droit de faire juste volatile. Tout ça fonctionne très très bien. Éventuellement des mutables si vous voulez. Alors pour les constants statiques, bon, il y a plein de façons de faire, mais vous avez le droit de les initialiser comme ça. N'insiste pas pourquoi c'est une forme préférée, mais ça pose moins de problèmes si vous le définissez comme ça. Si vous faites une définition en séparant la déclaration de la définition, vous pourriez avoir des ambiguïtés sérieuses si vous vous amusez à faire ça, notamment quand vous faites de la programmation modulaire. Mais je vous rappelle, hein, c'est plus on a des problèmes avec les modules. J'essaie de vous donner des règles correctes de façon à ce que vous soyez encouragé à programmer de façon modulaire. Malheureusement, pour les membres statiques, c'est un petit peu problématique. Enfin, ça pourrait conduire à des choses. Donc, il vaut mieux, si vous avez un attribut statique constant, de l'initialiser directement au moment de sa déclaration. Disons de le définir. Sinon, hein, vous pouvez le faire comme les autres. Bon, ok. Alors, il y a plusieurs usages de ces membres statiques. D'abord, vous pouvez définir des constantes globales à la classe, donc ça c'est fréquent. Si j'ai la classe des nombres, ben, je peux définir dans la classe enfin, un membre statique, donc le nombre pi, donc comme ça il est à l'intérieur de la classe, ça représente le pi des je sais pas quoi, nombres flottants. Et puis les fonctions membres, alors souvent ça sert comme accesseur pour les attributs statiques, mais aussi des fonctions utilitaires. Vous pouvez avoir une classe mathématique et dedans vous rangez toutes les fonctions utilitaires de la classe math. Vous allez me dire, j'ai le namespace pour faire ça, j'aurais dû utiliser un namespace. Pourquoi pas? Mais on peut aussi utiliser une classe. Le problème, c'est de se demander quel est le sens de l'instanciation de la classe math dans ce cas. Voilà hein, un exemple de membre statique. Si vous voyez la classe comme un module, vous voyez que cette classe-là, clairement, hein, calcul, c'est pas une classe qui devrait être instanciable. Hein. Donc, par exemple, je me suis déclaré à l'intérieur une constante pi, de quoi additionner et soustraire des choses. Je ne dis pas que c'est intéressant. Hein. Voilà. Mais tout est statique. Donc, a priori, si j'ai une classe comme ça, c'est un module. Ce n'est pas vraiment une classe dont j'ai envie de créer une instance. Notamment ça, ça n'a pas forcément de sens. Calcul C. Or, si j'écris ça, bien sûr, j'ai le droit de faire ça. Ça me crée une instance dans laquelle il n'y a rien. Il n'y a pas d'attribut, il n'y a pas de méthode. Il y a un attribut de classe, il y a des méthodes de classe. Mais il n'y a pas d'attribut pour les objets et calculs. Et il n'y a pas de méthode non plus pour manipuler les objets calculs. Donc c'est bizarre comme sens. Bon, on verra plus tard. Auparavant, j'aimerais faire un détour par le contrôle d'accès. Les histoires de public, protected, private. Et on va voir qu'en C++, il y a autre chose. En Java, il y a 4 types de protection. Protected public, et puis l'autre, pas de nom. Package. Enfin, pour laquelle il n'y a pas de mot clair. Bon, alors l'idée, hein, elle est assez simple, c'est que les classes, ça fournit une encapsulation. C'est-à-dire, ça regroupe dans une même boîte des choses qui ont à voir ensemble. Dans une boîte plastique, un petit bout de plastique, on va éclater ça en plein de trucs, et vous vendez la boîte. C'est ça que fait l'encapsulation. Vous allez ranger plein de constituants liés assez fortement ensemble dans une boîte. Alors évidemment, quand vous faites ça, il y a aussi une autre chose que vous aimez, enfin qu'on aime faire quand on fait ça,
c'est aussi rendre cette boîte plus ou moins inviolable. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont vous n'aimeriez pas que les utilisateurs de la boîte puissent avoir accès, auxquelles les utilisateurs de la boîte puissent avoir accès. Je veux pouvoir autoriser un utilisateur à consulter mon compte en banque et voir à le modifier, mais de façon contrôlée. La seule façon pour moi de modifier la valeur de mon compte en banque, hein, c'est de retirer de l'argent ou de déposer de l'argent. Et je le fais via une façade. Hein. Je vais à un distributeur de billets, j'envoie un chèque, je ne sais pas quoi, je vais au guichet, mais je n'ai pas accès à l'objet qui est caché derrière. Ce n'est pas moi qui fais l'opération. Hein, je veux que ce soit contrôlé. Hein, c'est pareil, les constructeurs, quand ils font une voiture, ils vous serrent les boulons bien fort, vous pouvez pas les... Il faut des outils spéciaux pour dévisser, etc. Ils vous fabriquent ce qu'on appelle des boîtes noires. Ils vous laissent accès à un minimum de fonctions, mais pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Soit parce que c'est un seul cas important, mais... Donc la production C++, ben, c'est comme en Java, en fait, elle est constituée en domaines. Alors, le domaine, comme vous l'avez vu, c'est, on l'a déjà rencontré, private ou public, par exemple, on en a d'autres. Et la déclaration n'est pas individuelle pour chaque constituant de la classe, chaque attribut ou chaque méthode, mais vous mettez un domaine, deux points, et tout ce qui est derrière est sous ce domaine-là, jusqu'à la définition d'un nouveau domaine. Hein, donc vous faites des déclarations, domaine, deux points, déclaration, domaine, deux points, déclaration, blablabla, comme ça. Tout ce qui est là est sous ce domaine-là. Tout ce qui est ici est sous ce domaine-là. Tout ce qui est ici, quand vous n'avez pas déclaré de domaine, c'est le domaine par défaut des classes en C++, c'est-à-dire private. Je vous déconseille d'utiliser des règles par défaut, c'est toujours une mauvaise idée. Ça coûte pas cher d'écrire private deux points. Tout le monde sait bien ce que ça veut dire. Vous ne mettez pas private deux points. Une fois sur deux, vous-même, vous grattez la tête. Vous avez oublié que la règle pour les classes, c'est que le domaine par défaut, c'est private. Des règles par défaut, il y en a plein. Donc plutôt que de vous encombrer l'esprit avec des règles par défaut qui sont stupides, prenez simplement soin d'écrire private deux points à chaque fois que vous en avez besoin ou autre. Plutôt que de supposer que tout le monde connaît ses règles par défaut. Mais néanmoins, si j'écris ça, c'est autorisé. Il y a une règle par défaut qui vous dit que les membres sont. Alors, le domaine privé, bien sûr, c'est mot-clé private. Bon, alors celui-là, il est simple, hein, il fonctionne. Il fonctionne comme en Java, donc il n'y a pas de mystère, mais quelque chose qui est privé n'est visible que de l'intérieur de la boîte elle-même. Donc il faut, à chaque fois que vous appelez une méthode, ou que vous tentez d'accéder à un attribut, peu importe, se rappeler dans quel contexte vous l'employez. Donc imaginez que j'ai une classe A comme celle-ci, avec l'attribut qui est dans le domaine private. Okay, j'ai deux domaines dans la classe A. Le domaine private, puis le domaine public. J'aurais pu mixer, hein, je peux faire un domaine private, un domaine private, un domaine public, ça n'a aucune importance. On va essayer de regrouper les choses, c'est quand même plus malin de mettre les privates ensemble, mais on pourrait s'amuser à mélanger. La question, c'est quand est-ce que j'ai le droit d'utiliser attribut. Alors, par exemple, j'ai ici une instruction qui tente d'accéder à l'attribut. Alors, elle tente d'accéder à l'attribut via quoi? Via l'objet. Donc, je suis dans une méthode, nécessairement, je suis dans une méthode de l'objet. Si je suis dans une méthode de l'objet de la classe A, bien évidemment, puisque je suis dans A, bien là qu'on voit, c'est-à-dire ce bloc-là, c'est bien dans le bloc méthode de la classe A. Donc je suis dans A. Là, j'ai le droit d'accéder à l'attribut. Il n'y a aucun souci, ça marche. Ça marche aussi. Hein. Je suis aussi dans A. Alors, je n'ai pas mis des flèches, mais c'est sous-entendu. Hein. S'il n'y a pas d'ambiguïté, le compilateur il s'est retrouvé que vous parlez en fait de l'attribut de la classe A. Donc, ça marche aussi. Dans la méthode 2, je suis dans la méthode 2 de la classe A. Donc cette syntaxe-là, hein, c'est méthode 2 de la classe A. Donc ici, je suis dans la classe A. Donc il n'y a aucun souci, je peux faire ce que je veux avec l'attribut. Ce que je veux. Il pourrait être constant tout ça, mais je peux le voir. Donc. Je peux tenter de le manipuler. Bien sûr, quand j'écris A.attribut ici, A est bien un objet de la classe A. La question, c'est cette instruction-là, dans quel contexte je suis. Et cette instruction-là, elle est où? Elle est dans main
Main, c'est pas une fonction de la classe A, c'est pas une méthode de la classe A, c'est pas une méthode statique de la classe A. Quand je suis dans main, je suis pas dans un objet A, je suis dans main. Il y a main, il y a les objets A, voilà, c'est des choses séparées. Quand je suis dans main, je suis pas dans un objet A. Donc, puisque je ne suis pas dans un objet A, si l'attribut existe, certes, il est invisible, private. Si j'essaie de faire ça, le compilateur râle. Il me dit ici, non, non, vous tentez d'accéder à un attribut privé. Bon, ça sert aussi à d'autres choses. Tout ce qui est défini en private, hein, c'est bien privé de la classe A. Alors, par exemple, je peux imbriquer, hein, rappelez-vous, faire ça en C. En Java, je ne sais pas si vous l'avez fréquemment utilisé. Mais après tout, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas déclarer à l'intérieur d'une classe A une classe B. Quelle est la raison? Vous faites de l'analyse et de la conception objet. Vous identifiez des concepts, et vous les identifiez parce que c'est bien les séparer, vous voulez voir où est-ce qu'il y a le plus de cohérence, et là où il y a le plus de cohérence, vous appelez ça un concept et vous le nommez comme, de façon adéquate, et puis c'est différent. Concepts qui représentent en fait des instances qui vont communiquer les unes avec les autres. Le problème, c'est que ce faisant, vous pouvez identifier des concepts qui sont eux-mêmes bien compliqués. Ce n'est pas toujours des objets élémentaires ou des concepts élémentaires. Ce n'est pas toujours des trucs où il y a juste un attribut entier. Parfois, il peut y avoir des dizaines d'attributs, des centaines de méthodes. Si vous réfléchissez à ce que c'est qu'un objet, je sais pas, voiture, il y a des tas de fonctions. Si j'en faisais une liste assez exhaustive et représentative de la réalité, l'objet voiture, il est vraiment compliqué. Donc, un objet ou un concept, je peux avoir envie lui-même de le découper. Après tout, à l'intérieur de cet objet, il y a probablement une structure aussi. Donc, je peux avoir besoin, bien sûr, de faire apparaître des concepts à l'intérieur du concept. Pourquoi pas? Donc, ça, c'est tout à fait possible de le faire. Bien sûr, l'opérateur private, enfin, le domaine private, me réalise exactement la même chose tout à l'heure pour les concepts inclus. Autrement dit, là, je suis en train de définir une classe A, à l'intérieur de laquelle, une classe A, à l'intérieur de laquelle il existe aussi une classe B. Mais vous voyez que cette classe B, elle est sous le domaine private. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement ce type B, il n'est visible qu'à l'intérieur de A. Donc, par exemple, j'ai le droit de créer un objet B ici. Pourquoi? Parce que l'endroit où je crée cet objet B, hein, où je suis en train de nommer le type B, et vous voyez, pour le nommer, normalement son véritable nom c'est A de point 2 point B, c'est le B de A. Où est-ce que je suis ici quand j'écris ça? Je suis dans la définition d'une méthode de A. Donc je suis à l'intérieur de A, donc il n'y a pas de souci, je vois tout ce qui est privé. Une fois que je suis rentré dans le distributeur de boissons, je vois tout ce qu'il y a dedans. Tous les mécanismes cachés. Par contre, évidemment, ici, ça ne marche pas. Hein. Bien que le type B existe à l'intérieur du type A, je ne peux pas l'utiliser à cet endroit-là. Parce qu'à cet endroit-là, je suis dans quel contexte? Je suis simplement dans le contexte global, je suis dans la fonction main. Je ne suis pas dans un A. Donc, cette chose-là est invisible. Alors, rappelez-vous tout à l'heure le problème du calcul. On peut faire des choses bizarres comme ça. Ça vous semble étrange, mais ça peut vous sembler étrange. Déjà en Java, vous n'avez peut-être pas beaucoup employé, mais peut-être l'avez-vous déjà rencontré. Vous verrez qu'il y a des usages très intéressants de cette technique. Mais rappelez-vous tout à l'heure, je n'avais pas tellement envie qu'on puisse écrire calcul C, c'est-à-dire d'instancier la classe calcul. Alors, rappelez-vous, calcul, c'est une classe dans laquelle j'avais défini, je ne sais pas quoi, pi, addition, soustraction. Enfin, les méthodes utiles, mais j'ai pas envie qu'on puisse l'instancier. J'ai pas envie qu'on écrive calcul C. J'ai pas envie qu'on fasse ça. On va dire, j'ai qu'à pas faire une classe, mais je peux avoir bonne raison quand même. On verra plus tard. Donc, comment est-ce que je peux l'interdire? Ça, c'est très simple. Il suffit juste de se rappeler qu'est-ce que ça veut dire que je fais calcul de C. Quand je fais calcul de C, c'est que je suis en train de créer un objet statique. Création d'objet, vous n'avez pas le choix. C'est comme en Java. Si vous créez un objet, il y a forcément un constructeur qui est appelé. Si j'ai rien mis, c'est que c'est un constructeur sans paramètres. Donc ça, c'est une instruction qui de toute façon appelle une méthode de la classe calcul.
une méthode qui est un constructeur sans paramètres. Donc si je veux interdire ça, c'est très simple. Je vais créer dans cette classe un constructeur sans paramètres, mais qui est privé. Je mets mon constructeur ici sans paramètres qui est privé. Si je fais ça, le compilateur ira, il me dit « Ah, c'est bien beau, mais vous n'avez pas le droit d'instancier calcul. » Donc l'astuce de tout à l'heure, vous pouvez l'obtenir comme ça. Bon, ça, ça marche, vous avez le droit d'appeler add, hein, il n'y a aucun souci, parce que add est public. C'est statique, public, donc il n'y a aucun souci, tout est correct. Je l'appelle depuis n'importe où, depuis le programme, c'est visible. Et comme je l'appelle à travers le nom de la classe, c'est correct parce que c'est statique. Ça, c'est interdit. Je ne peux pas construire C, tout simplement parce que le constructeur correspondant est un constructeur privé. Très utile, les constructeurs, pour d'autres choses. Alors, par exemple, le premier usage, c'est ce qu'on appelle la factory. Vous en trouverez assez fréquemment, je crois, en Java, vous en avez plein, des méthodes comme ça, on les repère assez facilement, les usines, elles portent toujours le nom, normalement, hein, toujours le nom créa de quelque chose. Vous créez une instance d'image en Java, vous cherchez pendant longtemps, vous creusez la tête, vous percevez qu'en fait, l'image, elle est abstraite, faire new image, vous faites comment? Alors, vous trouvez l'astuce sur Internet, on vous dit, ah, mais c'est simple, bon, malin, il faut appeler la méthode createImage de la classe bidule. Vous faites createImage. Alors, il y a des raisons à faire ça. Mais ça, c'est une technique qui s'appelle la factory, ou l'usine. C'est-à-dire que vous ne créez pas vous-même les objets, et vous appelez une fonction qui va vous créer l'objet considéré. Je vous donnerai des exemples très utiles. Alors ça marche. Voilà par exemple la création standard d'une factory. La classe 1, vous remarquez bien que elle a un constructeur sans paramètre privé. Donc je ne peux pas l'instancier directement. Je n'arriverai pas à écrire dans mon main. Mais dans mon mail, je n'arriverai jamais à écrire dans mon mail ou ailleurs, en façon globale. Je n'arriverai jamais à écrire à instancier de façon statique. Ça, ça ne peut pas marcher. Et je n'arriverai pas non plus à faire quelque chose comme ça. Par exemple, dans le mail. Ça ou ça, ça fait appel au constructeur sans argument. Le constructeur sans argument est privé. Je ne suis pas dans le contexte d'un objet, je suis dans le mail. Je ne suis même pas dans le contexte. Donc, je n'ai pas le droit. Bon, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir créer des objets. Pourquoi? Parce que le concepteur de la classe, s'il m'interdit de créer directement des objets A, ce qu'il me fournit, c'est un service qui va créer pour moi les objets A. Ce service, il l'appelle create. Ça me renvoie un pointeur sur A, ou peu importe. Mettons un pointeur sur A. Et surtout, ce qui est important ici, c'est que c'est statique. Pourquoi c'est statique? Parce que pour pouvoir appeler ce service, il faut que ce service puisse être appelé, même si je n'ai pas d'objet. Le premier objet que je veux créer de la classe A. Forcément que cette méthode existe. Donc la seule façon, c'est de la faire exister dans la classe. Ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai le droit d'implémenter new A, si je veux, dans la classe A, ça marche. J'ai le droit d'écrire ça, mais ici, ça marche parce que je suis dans la classe A. Certes, le constructeur est privé, mais comme je suis dans la classe A, ça fonctionne. Donc maintenant, de l'extérieur, vous voyez que la seule façon que j'ai d'obtenir un objet A, c'est d'appeler cette fameuse méthode A de point create. Je n'ai pas d'autre moyen que celui-ci pour créer des objets. Alors voilà un exemple très utile. Vous voulez créer ce qu'on appelle une classe singleton. C'est une classe pour laquelle vous voulez être sûr qu'il n'existe jamais qu'un seul objet de cette classe-là. Hein, quand j'ai créé une classe n'importe laquelle, hein, que j'instancie, j'ai créé un constructeur, je peux instancier autant de fois que je veux, je ne peux pas empêcher ça.
peut y avoir, c'est l'exemple du singleton, mais on pourrait vouloir contrôler le nombre d'éléments total fabriqués, je ne sais pas quoi. Ben c'est à ça que sert, par exemple, effectivement, la factory. Puisque cette fois, vous ne créez jamais directement les objets, que vous êtes obligé de passer par un service, ben c'est ce service-là qui va faire les choses pour vous. Donc si ce service-là a décidé que vous ne pourrez avoir qu'un seul objet, il se débrouillera pour que vous n'ayez toujours qu'un seul objet de la classe. Alors, par exemple, voilà ce que ça fait, hein, une classe singleton. Donc, cette fois, c'est de la même classe que tout à l'heure, simplement vous voyez qu'en plus, caché là-dedans, j'ai un attribut privé qui s'appelle le seul et l'unique. Je veux une classe 1 qui ne soit instanciée qu'une seule fois. Donc l'objet, le seul objet qui n'existera jamais pour cette classe 1, bah, il est représenté sous la forme de l'attribut de la classe, du statique, le seul et l'unique. Évidemment, quand j'ai créé ma... Enfin, j'ai défini... J'ai créé, là. A, deux points, le seul et l'unique. Tout va bien. Donc ça, c'est bien la définition d'un membre statique de la classe A qui s'appelle le seul et l'unique, qui est bien du type A. Bon, alors maintenant, à chaque fois que j'appelle create, comme fait la méthode create, vous voyez, elle me renvoie toujours le même. Avec un seul objet, donc elle me renvoie toujours le même. Je peux tenter d'appeler create 50 fois, ça marchera, mais ça m'enverra toujours 50 fois le même objet. Donc je contrôle. Ça, c'est un mécanisme abondant. C'est pour ça qu'on vous oblige à utiliser des méthodes dans les objets. On vous encourage à utiliser des méthodes. C'est que les méthodes fournissent des intermédiaires. Et ces intermédiaires, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils réalisent des contrôles. Des contrôles d'usage. Par exemple, celui-ci, Create, c'est un service qui crée quelque chose. Le contrôle, c'est simplement de garantir à tout moment dans le code qu'il n'y a jamais qu'une seule et unique instance de la classe. Alors vous en avez rencontré sans arrêt des singletons. Si vous créez la couleur rouge en Java, forte chance que ce soit un singleton. On n'a pas envie que si vous avez besoin d'utiliser 1000 fois la couleur rouge et que vous faites new color avec la valeur pour rouge, on vous renvoie 1000 objets différents. Ça ne sert à rien. On a envie de vous renvoyer sans arrêt le même. Bon, c'est exactement à ça que sert une factory. Pour avoir envie de ça. Ou l'unicité. Un autre contrôle très utile des constructeurs privés. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? Vous voyez que ce que j'aimerais, c'est que l'utilisateur puisse créer des nombres. Donc j'ai une classe nombre, très bien, mais pas très intelligente, des classes nombres, peu importe. Mais qu'à chaque fois que l'utilisateur crée un nombre, par exemple, il essaie de créer le nombre pi, eh ben, on ne va pas recréer un nouveau truc, comme je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que l'utilisateur demande à créer 50 fois la couleur rouge qu'on va lui renvoyer 50 objets différents. Autant lui renvoyer tout le temps le même, c'est le même. Rouge, c'est rouge, il n'y a pas 36 rouges. Pi, il n'y en a pas 36 non plus. Le nombre pi, il n'y en a qu'un. Donc on n'a pas envie, parce que l'utilisateur a besoin de créer 50 fois le nombre pi, lui renvoyer 50 objets différents. Autant lui renvoyer à chaque fois le même. C'est exactement ce que fait Create. Vous voyez qu'à chaque fois que vous appelez Create avec comme valeur, je sais pas, 3,14, et des poussières, eh bien on vous renvoie quoi ? On vous renvoie tout le temps le même. Ça évite la multiplication des objets. Une des critiques qu'on fait souvent à l'objet, c'est oui, mais on n'arrête pas de créer sans arrêt des instances, les faire disparaître. On peut avoir des milliers d'objets, là. Si vous savez que parmi ces milliers d'objets, il y a plein de doublons, par la nature de votre problème, vous pouvez réfléchir à des stratégies comme celle-ci. La stratégie, encore une fois, c'est quoi ? Vous cachez le constructeur, vous empêchez la personne de créer elle-même les objets directement, et vous passez par un service. Ce service, c'est une usine. D'accord ? Bon, le mot-clé public, il n'y a pas de souci, le mot-clé public, il lève la contrainte de protection. À partir du moment où vous avez un objet, pourvu que vous sachiez nommer l'attribut, si cet attribut-là ou cette méthode, peu importe, cette chose-là, si ce membre-là est public, vous avez le droit de l'atteindre.
Faites attention pour les attributs, c'est dangereux, hein. Ça c'est pas recommandé. Je reviendrai là-dessus, je parlerai de l'implémentation de concept. Public, c'est visible de partout. Faites attention, c'est dangereux. Bien sûr, il existe une troisième protection que vous connaissez qui est protective, mais on la verra plus tard, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore parlé d'héritage en C++. Donc évidemment, elle ne prend son sens que dans le contexte de l'héritage, donc on la verra plus tard. Par contre, il existe quelque chose qui n'existe pas en C++, en Java, pardon, qui est l'amitié. Une chose un peu étrange, mais assez utile. Alors à quoi ça correspond ? Faut faire attention, hein. Ces films-là, les amis ne sont pas toujours de vrais amis. Ils nous veulent parfois du mal. Donc il faut faire attention à la notion d'amitié en C++, elle est dangereuse. En fait, elle correspond à un troisième rôle vis-à-vis des objets. Je vous ai déjà dit, quand vous faites de la programmation objet, il y a toujours deux rôles. Il y a le concepteur de l'objet, ou le programmeur, ou le développeur de l'objet. Celui qui voit tout, celui qui contrôle la mécanique à l'intérieur. Le concepteur. Ça, c'est une casquette bien particulière. Il y a l'utilisateur des objets. Lui, il n'a pas le droit de toucher à l'intérieur. Il y a des choses protégées, il y a une boîte noire, la seule chose qu'il peut manipuler, c'est les choses publiques, utiliser les choses publiques. Donc lui, il a une vision très particulière des objets. Il ne peut pas tout faire avec les objets. Il ne peut faire que ce qui a été défini. C'est l'utilisateur simple. Vous allez au distributeur de boissons, la seule chose que vous pouvez faire, c'est mettre de l'argent et appuyer sur les boutons. Normalement, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la machine. Le concepteur de la machine, lui, il a conçu la machine. Il connaît tous les secrets, il sait comment ça marche, il sait comment on fait tomber un gobelet. Vous pas, hein. Vous mettez, je ne sais pas combien, 50 centimes, vous appuyez sur un bouton, il y a un gobelet qui tombe, du café qui tombe, de l'eau qui tombe, une cuillère qui tombe, du sucre, mais vous ne savez pas comment ça marche. Bon, vous avez un peu d'imagination, vous imaginez. Voilà, mais a priori, il n'y a pas besoin de savoir, ce n'est pas utile pour vous. Bien sûr, pour le fabricant, lui, il sait tout, il a tous les détails, il a maîtrisé tous les détails, c'est lui qui a fabriqué la. Bon, alors ça, c'est le fabricant, on a bien compris, ou le concepteur, lui, ou le développeur des classes, lui, ce qui l'intéresse, c'est justement tout ce qui est privé, il est chargé de ces machins-là, de toute la mécanique. Et puis l'utilisateur, lui, s'est dégradé, il ne l'utilise que les services publics. Bon, et on oublie qu'il y a une troisième personne, en fait, pour la machine. Et bien sûr, la machine à café, elle a besoin d'un entretien. Et qui c'est qui fait l'entretien ? C'est pas vous. Hein, vous, vous payez, donc. Paye quelqu'un pour faire l'entretien. Et c'est pas non plus le fabricant, hein. C'est pas le fabricant de la machine qui vient faire l'entretien. Il y a une troisième personne qui n'est ni le fabricant ni un utilisateur normal qui lui vient. Il arrive avec sa clé, vous ne le voyez pas, parce qu'il vient soit tôt le matin, soit tard le soir, probablement. Il vient avec sa clé, il ouvre le machin et puis il fouille là-dedans. Bien sûr, vous, en tant qu'utilisateur, on ne vous laisse pas. Vous amuseriez trop avec la machine. Mais par contre, l'opérateur de maintenance, lui, on lui fait confiance. On lui a donné la clé. On lui a donné accès à la machine. Et parce qu'on sait que lui, c'est quelqu'un de confiance. Donc c'est exactement à ça que correspond l'amitié en C++. Ça va être de permettre de créer un troisième intervenant sur les objets, c'est-à-dire un utilisateur, entre guillemets, avancé de l'objet. Lui, il a le droit de voir et de manipuler les secrets de l'objet. Bien sûr, vous lui avez donné votre confiance. Vous lui avez donné la clé de la machine du distributeur à boisson, il peut faire n'importe quoi dedans. Il est censé nettoyer, remettre des gobelets et du café, mais en douille. Donc c'est exactement à ça que sert la relation d'amitié en C++. Bon, alors voilà, j'ai pris une machine à ça tombe bien, j'ai pris un distributeur. Ok, alors obtenir une boisson, ça fait je sais pas quoi, peu importe, mais ça calcule le gain. Vous imaginez qu'à l'intérieur, la somme de l'argent qui a été mis dans le distributeur. Là, qu'est-ce que j'ai dû prendre comme exemple ? Cette fois, c'est pas l'opérateur de maintenance, mais c'est la personne qui vient ramasser les sous le soir. Il faut lui faire confiance aussi, elle sait. Bien sûr, il ne faut pas laisser la machine ouverte, sinon n'importe qui s'amuserait à ramasser les sous. Moment.
Alors évidemment, on a un problème. C'est qu'on aimerait bien avoir un collecteur. Le gars représenté, la personne, le gars, peu importe, la personne, c'est asexué, un collecteur, la personne qui vient ramasser l'argent le soir dans le distributeur. Donc quelqu'un, hein, c'est un autre concept. Un collecteur, ça n'est pas un distributeur de boissons. C'est quelqu'un qui, si vous lui donnez un distributeur de boissons, il va essayer de récupérer l'argent qui est dedans. C'est son boulot. Okay ? Bien sûr, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça. Hein ? Si vous mettez une méthode récupérer gain, mais qui est privée, parce que évidemment, vous n'avez pas envie de la mettre publique, cette méthode. Si vous la mettez publique, n'importe qui va pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas ça que vous voulez. Si vous la mettez privée, le malheur, c'est que le collecteur ne peut pas faire récupérer gain. Puis si vous la mettez publique, évidemment, le danger est monstrueux, parce que si vous la rendez publique, certes, le collecteur, il va pouvoir récupérer l'argent, mais vous allez pouvoir créer un voleur qui fait la même chose. Bon, ça vous fait rigoler, mais quand je vous ai dit au départ, rappelez-vous qu'en objet, on peut essayer de modéliser le monde réel. C'est exactement ce que je... Donc, je veux pas ça. Je veux ça, mais je veux pas ça. Je veux désigner quels sont les objets qui ont le droit de voir l'intérieur du distributeur et quels sont ceux qui ne peuvent pas. Donc public ou privé, c'est trop fort ou trop faible comme protection. Hein, c'est pas... Alors comment est-ce que je m'en sers ? Eh bien, c'est avec le mot-clé friend. Et l'idée, c'est qu'on va accorder sa confiance, son amitié, on sait plus, mais en fait, c'est plutôt une question. Et la confiance, faites attention, elle n'est pas symétrique. C'est pas parce que je vous fais confiance que vous me faites confiance. Ben c'est pas rien, c'est plus. C'est pas symétrique comme relation. Et bien sûr, ce n'est pas du tout la même chose de dire que c'est le distributeur de boissons qui fait confiance à collecteur ou de dire que c'est le collecteur qui fait confiance à distributeur de boissons. Donc faites bien attention au sens. Ici, c'est le distributeur qui doit dire qu'il fait confiance au collecteur. C'est le concepteur de distributeur de boissons qui dit « Ah, les collecteurs, je leur donne la clé pour ouvrir la boîte. » C'est dans ce sens-là que ça marche. Autrement dit, tout collecteur est l'ami de n'importe quel distributeur, mais pas l'inverse. Alors comment ça marche du point de vue syntaxique ? Ben, ça marche comme ça. Donc, si je veux un collecteur qui puisse récupérer les gains, sachant que récupérer gain est privé, par exemple, en tout cas, ce n'est pas public, si j'écris tel que, comme tout à l'heure, ça, c'est faux. Si je veux que ça marche, alors, une façon de faire, c'est que le distributeur de boissons, il accorde sa confiance, son amitié, j'ai le mot-clé friend, et il dit à qui il accorde son amitié, ou sa confiance. Il accorde sa confiance à qui ? Il accorde sa confiance à la méthode « prends l'oseille et tire-toi » de la classe collecteur qui prend blablabla, qui renvoie blablabla. Et il n'y a que cette méthode-là qui pourra utiliser les choses privées de la classe distributeur de boissons. C'est le concepteur de distributeur, il dit « Ok, je fais confiance au collecteur. » Quand est-ce qu'il leur fait confiance ? Uniquement dans le scénario « Prends l'oseille et tiens. » Donc quand j'écris ça, ça marche. Si j'essaie d'écrire une autre méthode dans le collecteur qui essaie de faire récupérer gain, ça ne marchera pas. Ça n'accorde la confiance qu'à la méthode « prends l'oseille et tire-toi » de la classe collecteur. Pas une autre. Et en plus, celle qui a exactement les paramètres, enfin le bon prototype. Alors quand on fait ça, évidemment, on risque d'avoir des problèmes. C'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la classe distributeur de boissons, je fais apparaître le concept de collecteur, puisque quand je définis la classe distributeur de boissons, il faut que j'accorde la confiance à collecteur. Mais dans collecteur, il faut aussi que je fasse apparaître la classe distributeur de boissons, puisque j'ai besoin d'utiliser un distributeur de boissons. Du point de vue des définitions, il y a toujours un espèce de truc qui se mord la queue. Pour la définition de l'un, j'ai besoin de l'autre, et pour la définition de l'autre, j'ai besoin du premier. Ça tourne en rond. Alors comment est-ce que ça marche ? Il faut une déclaration anticipée. Merci. Le truc. Mais c'est assez simple. Après tout, il suffit de réfléchir à de quoi est-ce que j'ai besoin, par exemple, dans la classe collecteur. J'ai juste besoin de savoir que distributeur de boissons, hein, c'est une classe, par exemple.
C'est tout ce que le compilateur, c'est tout ce dont le compilateur a besoin pour me laisser écrire ça. Il veut juste savoir qu'est-ce que c'est un distributeur de boissons. Bon, alors ça, c'est une syntaxe qui me permet de dire « Ok, distributeur de boissons, fais-moi confiance, c'est une classe. » Vous voyez que je ne dis rien de la classe, à part le fait que c'est une classe. Donc le compilateur est content. Puis une fois que j'écris « distributeur de boissons », tout va bien. Il n'y a pas de souci, « collecteur » a été défini avant. Donc. La plupart de vos compilateurs sont qu'une passe, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire ça. Ça, ça s'appelle une déclaration anticipée ou une forward déclaration. Alors, pour les relations d'amitié, faites attention, il y a deux façons de procéder. Bon, c'est pas la panacée, hein, la relation d'amitié. C'est pas mal. Évidemment, la confiance, elle est un peu légère. Donc, il faut se méfier. Alors, il y a deux modes de fonctionnement. C'est comme en sécurité. Soit vous êtes parano, soit vous êtes très confiant. Hein, quand on fait de la sécurité, c'est toujours le même truc. Alors, quand vous êtes banquier, vous êtes parano. Normal. L'argent attire tout le monde, donc beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous commencez, le mode parano, c'est quoi? Vous fermez toutes les portes et vous les ouvrez à chaque fois que vous en avez besoin. C'est le mode minimal. C'est comme ça qu'on fait de la sécurité. Et donc, on fonctionne en mode vraiment sécurité. Vous fermez tout. Si quelque chose est impossible, alors vous étudiez la situation. Ah, est-ce que d'abord la personne a... Et si c'est le cas, bah, vous ouvrez la porte juste pour ce cas-là. Et puis, il y a l'autre cas, le cas où vous êtes confiant, en général, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous laissez tout ouvert, et quand vous avez un problème, vous fermez les portes, au fur et à mesure. Je ne dis pas qu'un mode est mieux que l'autre, hein. Ça dépend, il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux fonctionner en mode confiant, et d'autres dans lesquelles il vaut mieux être en mode parano. Et ça dépend du modèle de sécurité que vous voulez, et quelle sécurité vous voulez dans, ici dans votre code. Donc vous avez deux grains pour la déclaration d'amitié. Alors la première remarque, c'est d'abord, il n'y a pas de section friend, faites attention. Hein. Ça c'est... Hop, c'est un peu trop. Là, ici, faites attention, parfois, hein, vous pourriez tenter de croire que ce machin-là, c'est public, parce que c'est dans le domaine public. Là. Vous dites, ah mais ce machin-là, ici je suis dans le domaine public, donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est dans le domaine public. Mais les relations d'amitié n'ont rien à voir avec le fait que c'est public ou pas. Parce que ce que vous êtes en train de déclarer ici, ça n'appartient pas à la classe distributeur de boissons. Donc ça n'est ni public, ni privé, ni machin. Donc vous pouvez les placer où vous voulez, hein, les déclarations d'amitié. Donc ça, c'est la première remarque. C'est pas la peine de chercher, essayer de les déplacer en disant « Ah, mais zut, je l'avais mis en privé, je vais la mettre en public, ça ne changera jamais rien. » Si vous avez un problème avec les relations d'amitié, ça n'a rien à voir avec le fait que vous l'ayez. C'est transverse. Et puis, donc, vous avez deux grains. Le grain fin ou le grain gros pour la sécurité, le mode parano ou le mode confiant. Alors, le grain fin, bah, c'est celui-ci. C'est-à-dire que dans la classe A, vous allez donner votre confiance petit bout par petit bout. Vous dites explicitement à qui et à quoi vous donnez confiance. Bah là, vous voyez que c'est le grain fin, parce que dans la classe A, vous dites « Ah bah, je fais confiance juste à la méthode truc-muche, bidule et la méthode machin de la classe B. » À rien d'autre. Pas plus. La classe B, la méthode F de la classe B, elle n'aura pas enfin, vous ne lui aurez pas donné la confiance. Dans la classe B, la méthode F de la classe B n'arriverait pas à atteindre les choses privées de la classe A. Et puis le gros grain, bah, vous dites « Oh, ok, tranquille. En fait, je vais dire que, peu importe, mais tout ce qui est dans la classe B, je fais confiance à tout ce qui est dans la classe B pour toucher à mes attributs privés. Initialisation des membres. Vous vous rappelez ça? Tout à l'heure, j'ai parlé d'initialisation des attributs constants. J'avais dit que si jamais mon attribut était constant, je ne peux pas écrire ça, parce que ça, c'est une opération d'affectation. Si mon attribut ici n'est pas constant, j'ai aucun souci. Le seul problème, c'est qu'il faut se méfier de ce que ça signifie. Ça, ça a l'air correct. Le problème, c'est que si j'insère une instruction ici, avant l'affectation de position, je pourrais avoir des problèmes.
Parce que cette instruction pourrait avoir envie d'utiliser position, lequel n'aurait pas été initialisé. Donc je retombe toujours sur le même problème, est-ce que mes données sont cohérentes ou pas? Donc l'initialisation des membres, il n'y a aucune raison, dans le cas const ou dans l'autre, ça marche de la même manière. Alors voilà la question maintenant, c'est ok, pour les entiers je vois bien, mais pour les d'autres structures, par exemple, imaginez que ici, j'ai la classe point, et puis j'ai la classe segment de droite. J'en veux dire qu'un segment de droite, c'est défini à l'aide de deux points. Donc j'ai rien de bien mystérieux ici. J'ai défini la classe segment de droite comme ayant pour attribut le premier point et le second point. Début, fin du segment, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche. Du point de vue structure, j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à ce que je veux. Le problème, c'est que comment fonctionne la classe point? Pour fabriquer un point, vous voyez que je l'ai défini. Hein. Il y a un gars qui était payé pour définir les points. Alors il a dit, les points, c'est facile, il faut un constructeur avec deux arguments qui représentent l'abscisse et leurs données. C'est comme ça que je fabrique les points. Donc j'ai un constructeur qui prend un x, un y, qui sert pour le x à initialiser l'attribut abscisse, pour le y à initialiser l'attribut ordonnée. Alors maintenant, le problème que j'ai, vous voyez bien, c'est le suivant. C'est que le segment de droite, c'est défini avec premier et second. Mais comment j'initialise premier et second? Parce que quand je veux créer un segment de droite, par exemple, hein, j'imagine qu'il me faut x1, y1, x2, y2. Il me faut deux couples de coordonnées. Par exemple, hein, comment je vais utiliser ces quatre coordonnées pour initialiser les points qui vont bien? Alors la syntaxe, hein, c'est exactement comme à l'heure pour les attributs constants ou je ne sais quoi. La seule façon que j'ai, c'est d'appeler le constructeur adéquat pour la classe point. J'en ai pas d'autre. La classe point, il n'y a qu'une seule façon de fabriquer un point. C'est de donner x et 1x et 1y. C'est de donner deux paramètres. Je ne peux pas construire deux points autrement. La définition de la classe point est celle-ci. Je vous rappelle que l'ensemble des constructeurs que vous définissez définit strictement la façon dont vous allez pouvoir construire les points. Vous ne pouvez pas construire des points autrement en appelant l'un des constructeurs. Comme ici, il n'y a qu'un seul constructeur avec deux paramètres, la seule façon de construire un point, c'est avec deux paramètres, x et y. Donc la question, c'est quand je crée un segment de droite, comment est-ce que je vais créer, comment est-ce que je vais initialiser premier et second? Alors je vais utiliser ma fameuse syntaxe. Et donc j'obtiens une phrase C++ tellement longue qu'elle n'a pas pu tenir sur mon transparent. Mais, qui signifie ici que ça me dit que quand je veux initialiser un segment de droite avec x1, y1, x2, y2, j'initialise le premier point du segment de droite avec x1, y1, puis le second point avec x2, y2, puis je fais les instructions qui restent. Il peut y avoir d'autres instructions. On a besoin de faire autre chose dans le constructeur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, je ne peux pas initialiser dans ce code-là, dans ce bloc, je ne peux plus initialiser premier et second. Parce qu'une fois que je suis dans le bloc, premier et second existent. Et s'ils existent, je veux qu'ils existent avec des attributs correctement initialisés. Donc je sépare bien l'initialisation des affectations et des définitions d'objets. Vous y réfléchissez, ça, c'est, je suis en train de faire la composition. Ça veut dire qu'un segment de droite est composé de deux points. Rappelez-vous quand j'ai dit qu'il y avait de la composition ou de l'agrégat. Mais ici, c'est la composition. Mais un segment de droite est composé de deux points. Un qui s'appelle premier, un qui s'appelle second. Quand je construis un segment de droite, il faut que je construise des composants. Quand je construis les composants, il faut qu'ils soient bien initialisés. Sinon, je construis un truc boiteux. Je construis une voiture avec des roues dégonflées, c'est pas terrible. Une carrosserie pas peinte, c'est moyen. Donc j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de garantir que tout soit correctement fait. Je veux des roues correctement gonflées, une carrosserie peinte, je veux des points qui soient bien initialisés. Ok ? Alors bien sûr, hein, je peux faire des trucs étranges au début, mais ça marche bien. C'est-à-dire que là, je me suis défini quoi ? Je me suis défini un constructeur à deux paramètres, mais avec des valeurs par défaut. Vous vous souvenez de ça? Ça signifie quoi?
Ça signifie que ce constructeur, je peux l'appeler de trois façons différentes. Attention, je n'ai pas trois constructeurs. Ce n'est pas de la surcharge. C'est un constructeur qui peut être appelé de trois façons différentes. Avec 0, 1 ou 2 paramètres. Si j'appelle avec 0 paramètres, il va mettre 0 et 0. Si j'appelle avec un paramètre, le premier paramètre, il va s'en servir pour x. Et puis, il va mettre 0 pour y. Puis, si je mets les deux paramètres, bah, il oublie les deux valeurs par défaut. Et il met les valeurs que je. Donc ça veut dire que je peux construire un point sans paramètres, avec 1 ou avec 2, par exemple. Donc j'ai le droit du coup d'écrire quelque chose comme ça. Segment de droite, avec x2, y2, qu'est-ce que ça fait? Alors attention, il faut se méfier, ça ne veut pas dire que je fais que initialiser second avec x2, y2. Mais pour comprendre exactement ce que ça fait, il faut que je regarde la définition complète de segment de droite. Je m'aperçois qu'à l'intérieur, il y a deux attributs, premier et second. Donc c'est sûr, il y a deux composants dedans, premier et second. Donc quand je veux construire un segment de droite, il faut déjà que premier et second, quand j'initialise un segment de droite, il faut que premier et second soient correctement initialisés. Ça c'est sûr, je ne peux pas y couper. C'est l'idée des constructeurs qui vous garantissent la cohérence de vos données. Donc ici, ça veut dire qu'il a fallu construire premier. Ici, vous remarquez que dans l'initialisation d'un segment de droite, je ne fais jamais apparaître premier. Donc le compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Si vous ne faites pas apparaître explicitement un appel à un constructeur pour l'attribut, pour l'attribut premier, pour le composant qui s'appelle premier, eh ben, le compilateur il va essayer d'appeler un constructeur sans argument. Puisque vous ne mettez rien, il dit bah, si, on va essayer un constructeur sans argument. Et ça tombe bien. Quand j'appelle un constructeur sans argument, en fait, il n'y en a pas, mais il existe un constructeur à deux arguments avec des valeurs par défaut, donc ça marche. Donc ici, ça revient. C'est comme si j'avais écrit premier 0,0, second x2, y2. Donc vous voyez que la façon que vous avez de définir vos classes va influer évidemment sur toutes les classes clientes de cette classe-là. Le segment de droite, elle est cliente de la classe. Point. Elle utilise la classe. OK. Alors, pareil, hein, là je mélange à la fois un attribut qui est instance de classe et puis un attribut qui est primitif. Bon, allez, aucun souci. Ça signifie que pour créer un cercle, je vais l'initialiser avec x, y et r, sachant que x et y servent à initialiser l'attribut centre et r à initialiser l'attribut rayon. Et là, j'utilise la notation fonctionnelle pour initialiser l'attribut rayon. Donc ça, c'est une phrase C++, hein, qui dit exactement ce que je viens de dire en français. Pour initialiser x, y. Donc, traduire des phrases du français vers le C++, si vous avez fait les bonnes classes, ça devrait marcher. Alors, il y a juste un point important, c'est que l'ordre des créations des initialisations doit respecter ceux des données membres. Autrement dit, et puis on finira par ça aujourd'hui, c'est simplement ça, c'est que l'ordre dans lequel vous avez déclaré les attributs, centre et rayon, il doit être respecté ici. Si vous avez d'abord déclaré centre, puis ensuite rayon, vous devez d'abord initialiser centre et ensuite rayon. Si vous essayez de faire l'inverse, le compilateur, sauf si vous avez un compilateur un peu ancien, il vous met une erreur. Donc, dans l'ordre de leur apparition dans la déclaration. Et puis, le point qui est vraiment simple, c'est dans quel ordre tout ça se produit. L'ordre est très naturel. Un segment de droite, c'est composé de points. Ben, on commence d'abord par créer des points avant de pouvoir créer un segment de droite. C'est une condition nécessaire. Si vous n'avez même pas de points, comment est-ce que vous pouvez songer à créer un segment de droite? Puisqu'un segment de droite est composé de points. Donc on commence d'abord par créer les composants. Une fois qu'on a les composants, donc les composants c'est toutes les données membres, une fois que vous avez tout ça, alors vous pouvez envisager de créer l'objet englobant, c'est-à-dire le composé. Puis on parlera d'autre chose, mais les destructions opèrent exactement dans l'ordre inverse. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Et rendez-vous à la semaine prochaine.